Motivé et en forme. Et là, on va zoomer sur le groupe Camping Sauvage qu'on n'a même plus besoin de vous présenter. Les Namurois de Camping Sauvage ont fait du chemin. En position, les filles. Dans les filles, j'ai dit. Nouvelles à vous dire sur, à dire sur vous. Des, oui, oui. Ah, oui. Je vous écoute. J'ai un poil qui a poussé hier. Vous avez vu ? Fabuleux, c'est une grande nouvelle de Camping Sauvage. Le deuxième album devrait sortir normalement début 2008, sera en vente dans toutes les bonnes boulangeries, boucheries, charcuteries. Il est livré avec un pantalon de taille 32 et peut-être un string, mais on n'est pas encore sûr. Léopard ou pas ? Le string, ça peut être pas mal, oui. Vous avez ressorti les cuivres ? On a ressorti les cuivres, comme ils étaient là déjà, Esperanza et Namur en mai. Comme c'est vrai que ça fait pas mal de dates qu'on a déjà fait sur Namur, on essaye de proposer un peu des concerts un peu exceptionnels, surtout quand c'est sur une belle scène comme ça, dans un site magnifique. Alors on en profite pour remplir la scène, puisqu'elle est grande en plus, et donc comme ça on est plus nombreux, on est 10, et alors il y a des trucs qui jouent dans tous les sens, de l'agrandisseur de pénis à coulisses, c'est génial. Vous allez tout donner ? Tout. Mais sauf mon slip, parce que j'en ai besoin après pour repartir, parce que sinon, sans slip, j'ai froid. Je comprends. L'année dernière, vous avez joué dans le groupe, dans les jeunes talents. Cette année-ci, vous êtes sur la grande scène. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça veut dire qu'on a vieilli, à mon avis, puisqu'on était dans le concours jeunes talents. Maintenant, on est sur la grande scène. Donc, à mon avis, soit on a vieilli, soit
Pas, en fait, je ne sais pas. En fait, non. C'est bien parce que ça change qu'on aura plus de temps pour jouer, tu vois. Ça, c'est un gros avantage. En plus, il y a plus de gens parce qu'il est plus tard, il y a les gens ont mangé, tout le bazar, et donc ils arrivent, ils sont déjà plus en humeur festive, ils ont eu le temps déjà un peu de digérer, tout le bazar, etc. Là, vraiment, ça commence à être vraiment un endroit, un créneau, tu vois, super pour jouer, puisque on arrive, les gens sont là, ils dansent, on chante, on fait les trucs, et puis c'est encore plus mieux. Album, il y aura une différence au niveau musical. Est-ce que vous avez des influences différentes? J'attendais cette question. Alors, la différence entre le premier et le deuxième album, ce sera que, en fait, tous les morceaux seront différents. Sur le premier album, on avait 11 morceaux et on aura des morceaux complètement différents sur le deuxième album. Tu vois, ce sera vraiment. Il y aura d'autres morceaux, quoi, des nouveaux morceaux. Sinon, en fait, on n'aurait pas fait de nouvel album. Mais sinon, non, allez, sérieusement, on va répondre quand même plus à ta question parce que je vois que tu es en train de me dire, mais il se fout de ma gueule, qu'est-ce qu'il raconte là, je ne comprends pas. Mais en fait, la différence fondamentale, je pense, sera dans une sorte de richesse de diverses atmosphères qui seront plus diversifiées parce que le premier était bien rentre dedans quand même. Ici, il y aura des trucs un peu plus calmes et un peu plus chansons. Il y aura moins de morceaux instrumentaux, normalement, sans doute. Donc, ce sera plus chansons et ce sera. Plus mieux, plus génial et tout, et on va en vendre plus mieux encore. On va aller à Dour au Francophonie cet été, c'est génial, ouais. Et voilà. Diantre, fichtre, diable! Il est temps que je me sauve. Je dois rejoindre la scène. Avait de bons principes, oui ça c'est sûr. Oui ça c'est sûr. Connaissez les dangers que la bière pouvait présenter. Quand un petit peu de tristesse vous la mélangez. Et moi, devinez quoi hier au soir. J'ai encore fait tout le contraire derrière le bar. J'ai siphonné tous les alcools de mon armoire. En cherchant à chasser mes démons et mes idées noires. J'aurais dû écouter ma mère. Dont la voix résonne encore dans le cimetière. Et là, mais si souvent, les mots, les gestes et la manière. Sans qu'on ne puisse qu'être pas péché de bouger son derrière. Ma mère, femme très vaillante et femme d'affaires, faisait toujours quelques économies avant l'hiver. Mais moi, son pauvre fils loin du génie, j'ai pas été fichu de garder un pont dans ma vie. Pourtant, ce n'est pas froid de m'avoir eu. Aujourd'hui je cours dans la nature à moitié nue. Parce qu'il m'a fallu que je dilapide la moindre pièce qui tombait dans ma tirelire vide. J'aurais dû écouter ma mère, dont la voix résonne encore dans le cimetière. Et là, si souvent les mots, les gestes et la manière, pour secouer son con de risque et pas piché de bouger son derrière. Par souci de bonheur familial, avait l'art de prendre sur elle quand elle allait vraiment mal. C'est vrai qu'elle aurait pu plus d'une fois envoyer au diable ce crétin que j'appelais encore papa. Tout en nous protégeant des coups et des sœurs, elle a su faire croire que c'était la maison du bonheur. Alors que moi, ma femme et mes enfants, ils sont partis bien loin depuis longtemps. J'aurais dû écouter ma mère, dont la voix résonne encore dans le cimetière. Et là, si souvent, les mots, les gestes et la manière secouer son fond de pisquet n'est pas fichu de bouger son derrière.
m'avait suivi m'aurait rendu malheureux comme une pierre. Maman. Bonjour Namur. Quel plaisir que de se retrouver sur une belle scène comme ça. Et en plus vous êtes venus. Ça c'est génial. Alors on va faire une magnifique chorégraphie qui va se propager dans tous les gradins. Vous la connaissez déjà, il y en a qui étaient là l'année passée et qui l'ont fait. Allez, même en haut. Tout le monde, vous devriez voir ce que ça donne d'ici, c'est trop beau. Mais il faut que tout le monde s'y mette. De deux bonnes sœurs, lorsque soudain, dans le silence, un bruit sourd retentissait une offense. Et le rougeant faillit mes joues, les bonnes sœurs se signant firent l'amour. Les portes s'ouvrirent, je descendis, c'était pas mon étage, mais tant pis. Pas facile respecter les bonnes manières, si tu as trouvé trop de haricots, il y a pas. Pour oublier cet incident, je suis sorti le nez au vent, inconsciemment, mes parents menèrent vers une vitrine un peu austère, dans laquelle trônait la trombone. Je me dis, voyons, ah bah tiens, comment il sonne. J'entraîne une saisie de l'instrument et je commence à faire des vents. Pas facile respecter les bonnes manières si tu as mangé trop de haricots hier. Pas facile respecter les bonnes manières, j'aurais dû assurer mes arrières. Au trombone, c'est Yago. Avec mon cuivre, des gens se sont mis à me suivre. Petit à petit, une foule se forme, gonflant jusqu'à devenir énorme. Arrive alors des hommes en bleu qui nous gardent un air soupçonneux. Alors du coup, tout le monde s'arrête. Jusqu'à ce qu'une dame rousse pète. Pas facile respecter les bonnes manières si tu as mangé trop de haricots hier. Pas facile respecter les bonnes manières, j'aurais dû assurer mes arrières. Là l'atmosphère s'est détendue, les policiers tombaient des nues. Alors j'ai relancé la musique, tout le monde a suivi, même les flics. Depuis je vais de ville en ville, avec mes amis qui défilent, pour la liberté d'expression, de ce qui vient de nous du plus profond. We'll be right back.
Vous êtes bons, les gens, vous êtes bons. Alors, on va vous faire un nouveau morceau. La porte s'est emportée, la cafetière a cafeté, les invités étaient entrés. Il fallait réagir, radiateur se mit à bouillir. Le réfrigérateur lui devint livide de peur. Il en courait croire qu'entre deux le grand passait. Comme dans un miroir, chacun y trouverait son reflet. Qui aurait pu prévoir qu'il pourrait s'en lasser. Le matin et le soir sont-ils faits pour se rencontrer. Savoir qu'il n'a pas de jour. Le réfrigérateur vomit alors tout son quatre heures. Le radiateur chauffait de tout son cœur. Et soudain, un grand cri se fit entendre. Un petit enfant à la peau si tendre, ayant posé sa menotte sur le radiateur, s'était brûlé au troisième degré. Quelle horreur! Il en courait croire qu'entre deux le grand passait. Que comme dans un miroir, chacun y trouverait son reflet. Qui aurait pu prévoir? Matin et le soir sont occupés pour se rencontrer. En deux secondes, les invités se firent la malle. Il fallait l'emmener d'urgence à l'hôpital. Il ne restait plus que le réfrigérateur qui souriait de ses dents de glaçons au radiateur. Donc aurait pu croire qu'entre deux le courant passerait. Que comme dans un miroir, chacun y trouverait son reflet. Qui aurait pu prévoir qu'il pourrait s'en lasser. Le matin et le soir sont-ils faits pour se rencontrer. Ben, alors voilà, en fait, on tient un stand avec toutes les associations que vous pouvez voir ici. Il y a un tas d'informations, principalement réunies sous la coordination SIDA-Assuétude, qui est donc un organisme qui s'occupe un peu d'informer les jeunes sur les produits, sur les maladies sexuellement transmissibles, de distribuer du matériel avec un but didactique pour apprendre aux gens, voilà, protégez-vous ou faites attention à tel ou tel risque. Et on donne de l'information sur les produits, en fait. C'est pas vraiment de la prévention dans le sens que c'est axé sur les personnes qui consomment ou qui comptent consommer et on leur apprend à ce moment-là quelques trucs pratiques pour rester bien avec eux-mêmes, quoi, pour que tout se passe bien. Bah, moi je suis venu pour l'information et me rendre compte de quels sont les rapports à risque ou les rapports où on ne risque rien, pas avoir un enfant ou une MST ou quelque chose comme ça. Pour les préservatifs. Et voilà. Bah, moi je suis venu pour la détente et pour l'ambiance qu'il y a dans l'espace détente. Il y a pas mal de demandes en fait, on fait remplir des questionnaires et on se rend compte qu'il y a des gens qui se posent quand même pas mal de questions et qui ne savent pas un tas de choses. Donc c'est quand même assez important. Hein. Pierre-Yves avait raison, en effet c'est bien Bruno qui jouait du saxophone, même s'il a présenté Yago qui en fait joue du trombone et que c'est Véro qui joue du tuba. Donc si vous aussi vous avez un nom qui se termine en O et qu'on danse le tango à Rio de Janeiro ou à Mexico, je ferai un Rho. Voilà, c'est un poème que j'ai écrit avant de venir pour les présenter. Merci. Mais on écrit aussi des trucs plus intellectuels. Par exemple, ici, la chanson, le refrain, c'est « Dans la rue, dans la rue, dans la rue, dans la rue ». Et il y a justement des gens là-bas qui jonglent notamment, qui font des trucs bizarres avec des balles et des machins comme ça. Alors le refrain, pour les encourager, ben, on va tous se chanter ensemble. Dans la rue, dans la rue, dans la rue, dans la rue, d'accord ? Oui ?
Bon, les rues sont un peu trop tristes quand les passants regardent leurs pieds. C'est l'heure pour nous d'entrer en piste, mais faut pas que vous vous affoliez. Faut dire qu'on est une saltimbanque, des types bizarres et un peu louches. Ça se voit pas sur le compte en banque, mais un changement d'or c'est qu'on touche. Quelques balles ou un diabolo, des massues ou bien des bolasses. Au départ on y va mollo, puis on se lance, c'est la grande classe. Mais bon, faut pas trop se prendre la tête, faut pas péter plus haut que son cul. Faut pas se prendre pour des vedettes, juste prendre son pied, rien de plus. Dans la rue, les crocs de chiens sur les trottoirs, les papillons sur les pare-brises. Faut pas en faire toute une histoire, y'a pas de raison piquer une crise. Le truc c'est d'être philosophe, oui, il faut relativiser. Il y a bien pire comme catastrophe que d'avoir une crotte sous le pied. Il paraît que ça porte bonheur, les petits accidents de 700. Même si, au niveau de l'odeur, je reconnais qu'il y en a de fortes. Malgré ces petits inconvénients, ce sont des endroits fantastiques où déambulent les impatients, sans se rendre compte que c'est magique. Dans la rue, pas grand chose, un bonjour, une franche poignée de main peut venir à bout des jambes moroses. Et si ton sel tombe à plat, que ta main se tend dans le vide, pas la peine d'en faire tout un plat. Garde le sourire après ce vide, le prochain type que tu croiseras deviendra peut-être un ami. La prochaine fille qui passera est peut-être la femme de ta vie. Alors range ta mauvaise humeur, oublie tes soucis, tes tracas, ouvre ton esprit, ton cœur au bonheur qui t'attend déjà. Merci la rue. Ou alors tu me regardes alors que nous disons Camping Sauvage est déjà fini. Mais non, c'est la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Non, attends, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres, toi. Pour un autre, comment ça s'appelle le groupe? Mais j'allais le dire. Pour un autre groupe. À la fin, j'allais le dire. Ah, d'accord. Peuple, nous avons quelque chose. Concentre, toi. Camping Sauvage est déjà fini. Mais non, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau groupe.